judoka à la base. J'ai pratiqué le judo de l'âge de 3 ans et demi jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis passé directement au MMA. J'ai fait mon premier combat pro à l'âge de 20 ans. Après être parti me perfectionner à la shooté boxe pendant 3 mois au Brésil, la fameuse académie de Wanderlei Silva. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2006. En 2022, on est toujours là. Tu veux faire des crêpes? Oui. Papa? Est-ce que tu penses que papa il peut en manger? Je sais pas trop, avec ton régime. Ouais, avec le régime, papa il peut pas. Hein. Eh ben moi je pourrais. Carla Moussou, c'est avant tout un papa qui aime éperdument sa petite fille. Ça c'est vraiment ce qui me définit le mieux. Ce qui me définit le mieux, beaucoup plus que le combattant qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, j'ai envie de dire que ce qui me définit, c'est justement le combattant. Le combattant, mais pas le combattant dans la cage, le combattant dans la vie. Parce que j'ai pour habitude de dire que combattre, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Je suis un combattant. Un combattant dans la vie. Et un combattant pour ma petite fille, pour ma famille. Et voilà qui est Carla Moussou, en quelques mots. Pourquoi papa le régime? Pour ton combat. Contre qui? Contre Abdoul. Contre Abdoul. Et qu'est-ce qu'il va faire papa Abdoul? Tu vas le balayer. Tu crois que je vais le balayer? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais lui faire d'autre? Une clé de bras. Ouais. C'est possible. Il est fort au sol quand même Abdoul. Une clé de bras, ça va être compliqué sur Abdoul, je pense. Mais je peux faire d'autres choses peut-être. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire? Un coup de poing. Oh bah ça oui, j'espère que je vais réussir à lui mettre un coup de poing. Bah oui. Sur les planètes froides et sur Jupiter. Et sur Jupiter, je te rappelle qu'il y a la tempête. C'est quoi le but du jeu en fait? Tous vous massacrez. Mais sauf qu'on n'a pas encore trouvé les pierres précieuses. C'est une bonne chose qu'Abdoul ait l'intention d'entrer avec la ceinture. Moi aussi, on est deux. Heureusement qu'il veut rentrer avec la ceinture. Heureusement qu'il s'est préparé pour me vaincre, pour me finaliser. Parce que moi aussi, je me suis préparé pour ça. Moi aussi, je me suis préparé pour ça. Et on verra lequel a le plus de compétences à finaliser l'autre. Lequel est le plus dur mentalement. Lequel de nous deux est le plus un animal. Lazy King, en dehors de la cage, c'est... Comme vous voyez un peu dans la cage, un peu énergie, un peu joyeux, bah c'est ça. J'ai beaucoup de passion. Des fois, tu vois, j'aime bien le café, du coup je regarde tout ce qui est café. J'apprends sur internet et ça prend du temps un peu. Et après, des fois, bah, j'enchaîne sur d'autres choses. Je regarde par exemple le combat de boxe. Tu vois, j'aime bien les combats où les mecs ils expliquent les techniques, tu sais, les détails sur les combats légendaires, tout ça. Dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, négatives, positives. Un truc négatif, tu vois. Mais moi, je sais me concentrer sur le truc positif. Parce que ça n'a rien à regarder sur le négatif. Je me concentre sur le positif. Et j'essaie de profiter de la vie avant que la vie profite de moi. Voilà, c'est ça l'objectif. On aborde ce combat comme les autres combats, quoi. Toujours avec la détermination. Bien sûr, je connais bien l'adversaire, Carla Moussou, c'est très connu. Donc, on est en train de travailler comme d'habitude, on ne change rien.
mais maintenant plus déterminé encore quoi. Dans notre objectif, aller chercher notre objectif quoi. Un détail. Pourquoi je dis claquette? C'est pour la difficulté, c'est un autre niveau. Parce que comme ça, en me frappant en même temps, je m'équilibre. En même temps, je dois faire attention pour pas que la claquette sorte. C'est un autre niveau, les gars. À ma victoire pour la ceinture d'Arès, c'était très bien, c'était historique, quoi. Pour Arès, parce que c'est la première ceinture en Arès, donc ça fait plaisir. Je fais partie de l'histoire d'Arès et c'est beau gosse, quoi. En tant que combattant, je suis un combattant un peu flemmard. Moi, je vais faire que le travail et ce qu'il faut, pas plus. On est déterminé à gagner, on est déterminé à défendre la ceinture, quoi. Je pense que la détermination qui va jouer aussi, quoi. Un des facteurs qui va jouer, c'est la détermination, mais la qualité technique aussi, quoi. Les deux sont techniques, mais je pense que ça va jouer la qualité technique, quoi. Voilà, là, c'est la séance de Pao avec mon coach de Pao. Donc, ça va être sérieux, les gars. Allez, os. Des fois, il va comprendre pas parce que c'est brésilien. On va le traduire. Os, muito obrigado, favela do Brada. Obrigado, favela da Europa. Os. Obrigado. Obrigado. Je me sens comme toujours, parce que c'est pas la première fois que je fais un main event, je fais combat pour le titre. Dans ma carrière, je fais presque que ça, donc j'ai l'habitude maintenant, et du coup c'est un avantage. C'est tranquille, c'est comme tous les combats, quoi. Les soins que j'apporte à Karl, c'est de la récupération. Il y a deux choses, ouais. Il y a de la récupération et puis il y a un travail de mobilité aussi. Voilà, pour qu'il soit le plus performant pour ses entraînements et qu'il soit le plus en forme possible. François, ça fait maintenant 3 ans et demi, je pense, qu'on bosse ensemble. Il a réussi à faire des miracles avec moi, ça va, je travaille en confiance avec lui, en toute confiance. Et puis il me suit sur les combats, il m'accompagne, et c'est ma maman. C'est ma maman, voilà, je vous la présente. Bonne fête au fait, hein. Je t'ai pas souhaité ta fête hier. En ce qui concerne l'issue du combat, peu importe. Peu importe que ce soit une décision ou un finish. Tout ce que je sais, c'est que c'est un combat qui sera très engagé. C'est un combat qui sera une guerre totale. J'ai accepté l'idée de repartir avec le visage balafré s'il le faut, avec le visage en sang. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. J'ai déjà connu l'enfer. Je suis prêt à aller en enfer. Je suis prêt à aller en enfer. Je suis prêt à aller dans les flammes. Il n'y a pas de problème. Le camp d'entraînement de Karl se passe très très bien, très intense. On a la chance d'avoir l'équipe de Thomas Lubersen qui vient de Paris où nous on y va. On a des grosses sessions, on travaille autant général que minutieux. Karl est en train de monter en puissance, très fort. Chaque camp d'entraînement il est plus fort. Il dépasse ses limites. Pour moi il a pas de limites, je les ai pas vues encore. Et là sur ce camp ça se voit très très bien, il prend tout, il absorbe de tout, il engrange tout. Et puis il développe sa panoplie, quoi. Oui.
Voilà Sylvain. 10 secondes Abdoul, vamos. Explore Sylvain, tu tombes pas Yassine, vamos. Voilà Abdoul, frappe. On est mort, on n'est pas bien, on est fatigué. Du coup, on va voir. C'est un mec dur, qui fait le dur, qui combat, qui aime les combats bagarres un peu, qui est agressif. Je veux qu'il vienne avec du faim, qu'il a faim, qu'il veut avoir la ceinture, qu'il veut chercher avec agressif, tout ça j'aime bien ça. Donc, ça m'arrange. Donc, je vais à un combat, je suis là pour ça. C'est mon travail pour combattre. Donc, on est là. Celui qui a l'esprit plus fort va gagner. Donc, une fois dans la cage, on va voir qui aura l'esprit plus fort. Regardez, Lizzy King a gagné, voilà les résultats. Ah, champion, Lizzy King. Je connais mes qualités et mes faiblesses. Et je connais ses qualités et ses faiblesses. Donc, je sais ce que je peux faire. Donc, je me vois gagnant. C'est une histoire logique, mais je veux surtout qu'elle prenne du plaisir en fait. Alors c'est super bien, c'est beaucoup de plaisir, c'est un peu mes bases aussi, c'est proche du judo, de ce que j'ai fait en tout cas. Il y a le kimono, puis c'est les mêmes bases, et c'est top, je suis super fier de l'avoir, et puis elle prend du plaisir, c'est le plus important. Là, on est à Genève, au Strike Academy. Ça fait quasiment un mois et demi que je suis sur le camp de Karl. C'est Karl qui m'a demandé de pouvoir travailler ensemble pour compléter au début certains compartiments. Et du coup, je suis même sur le camp en entier. On a fait un très gros travail. Des très bonnes sensations se mettent en place. Il y a une très grande expérience, donc moi c'est que du bonus ce que j'amène. J'ai essayé d'épurer ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Je pense que je ne l'amène pas que du côté technique, je pense que je lui amène de la stratégie et je lui amène aussi de l'expérience de mental. On est deux personnes âgées qui savent ce que c'est une carrière, à quoi il faut faire attention et avec quoi on peut gagner. Il n'y a pas de raison qui fait que je pense vraiment que je dois gagner ce combat. Il y a juste que je sais qui je suis, que je sais ce que j'ai traversé, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et je sais qu'il y a un mec en face de ma route, qu'il y a un mec qui est sur ma route et que ce mec-là, je vais l'écarter du chemin. Saturne, c'est une planète dans le système solaire. Voilà, en tout cas, bienvenue à ma salle de sport. Voilà. Vous voyez, je vous fais le tour. Ici, on a la clim. S'il fait trop chaud, bah, on allume. Ici, on a les poids. Simple, à l'ancienne. Vous voyez ? Faut pas faire semblant, c'est hyper lourd ça. Il y a même de l'eau pour se rafraîchir au cas où. Barre de dips. Simple, artisanal. Barre de traction, pareil.
Il est là. Notre arbre avec des fruits. Si on a faim, des fois on monte, on prend. Pour faire les abdos, développer coucher, tout. Il y a tout ce qu'il faut. On a notre pneu. Voilà le pneu. TM700. Trailborg, la marque. Donc let's go, on commence. 7, 98, 105, 200, 95, 96, 100. Quand vous montez, il faut sortir l'air pour que le ventre il soit vide et il se plie bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'envisage tout, je suis prêt à tout. C'est l'art de la guerre, on va dire. On va rien de plus. Le 25 juin, au Dôme de Paris, à R7, c'est là-bas que ça va se passer. Soyez là. Les pubs, je vous dis rendez-vous le 25 juin au Dôme de Paris pour Ares 7 avec Lazy King en main event. Bienvenue.